préfère les soeurs vraiment toutes bénies. Vous m'avez soutenu et j'ai pu faire le voyage, je suis revenu. Le voyage s'est bien passé et peut-être l'année prochaine, on est en train de voir avec certains frères qui veulent partir faire des voyages, on va s'associer et on va partir. Parce que je vous ai dit que un serviteur de Dieu, bibliquement, le serviteur de Dieu ne doit pas être seul à être heureux et à évoluer et à bénéficier de leurs finances et à se sentir à l'aise, le pasteur à l'aise, sa femme à l'aise, sa femme soit à l'aise. Il faut que l'église, pendant que le pasteur évolue, l'église aussi évolue dans la vie. Ce que je vous dis, c'est pas pour être mais c'est la Bible. Parce que lorsque l'œuvre de Dieu commence, l'œuvre de Dieu commence avec une sémence. Et la sémence se trouve dans le serviteur de Dieu. Et dans le serviteur de Dieu se trouvent tous les moyens qui vont sortir par rapport à cette prière. C'est une graine. Donc quand la graine est semée, vous allez voir que dans la graine qui est semée là, il y a les racines. C'est pas ça? Dans les racines là, il y a quoi? Il y a les tiges. Et dans les tiges, il y a quoi? Il y a les petites feuilles qui sortent. Et ça grandit. Vous allez voir que là, trois ensemble, c'est vrai que la racine sort. Et la tige sort, elle sort pour laisser place aux petites feuilles du bougeon. C'est pas ça? Donc, vous voyez dans une église, un pasteur a un centre de voiture, il a plein de voitures, et puis les gens sont pauvres. Et c'est lui, une maison, c'est lui, les enfants. Je ne dis pas ça pour être même. Je vous dis que c'est ça la parole de Dieu. Un homme, un serviteur de Dieu doit croire avec ses fidèles. Et au moment où vous allez voir le pasteur passe à un pied, on passe à l'assister, on l'assiste parce que les fidèles sont bénis. Cherchez une église pour qu'un pasteur pourra veiller sur vous. Si c'est que vous faites, vous donnez des bons conseils, trois bons projets. C'est pourquoi ne cachez rien à votre pasteur, à cause du fait d'être avare. Et Christ a condamné les avares. Il ne faut pas qu'il sache comment il bouge, il ne faut pas savoir ce qu'il vient de recevoir. Mais si ton pasteur est un pasteur et qu'il pique, dites-le. S'il n'est pas cupide, l'écriture dit que ne faites pas de tous vos pieds. Parce que l'homme de Dieu, doit pouvoir te contrôler. L'homme de Dieu doit pouvoir te montrer comment faire des projets, te coacher, te orienter. Parce qu'il y a Dieu en lui, il y a le ministère en lui. Donc il doit être capable de vous aider. Lui-même ne va pas échapper à la bénédiction. Un homme de Dieu pauvre, c'est un homme de Dieu possédé. Je ne dis pas ça pour lui. Dans toute la Bible, vous ne pouvez pas lister le nom des serviteurs de Dieu malheureux. Ça n'existe pas. Abraham est mort. David est mort, c'est écrit au monde qui a parlé, il mourut riche et rassasié du jour. Et tous il mourut riche, même genre. Sa pauvreté est partie, mais il a fini comment? Il a fini au double de ce qu'il a fait. Et Jésus-Christ, c'est le parole de l'auteur, il dit toutes les richesses, lui a parti. Et quand Jésus était là, ses disciples n'étaient pas tristes, ils n'avaient pas fait. Vous savez ça? Et quand il faisait le, et qu'il prenait le frère, c'était la communion. Et il a dit, là où je serai, vous serez aussi. Et dans le son, il a parlé de l'onction qui descend. Si la tête est dit, alors il fait quoi? Il coule sur sa barre et il fait quoi? Il descend sur le pont de sa mort. Et le prophète nous parle de que le pont de la mort c'est qui? Il dit c'est l'assemblée. Il dit quand l'onction descend sur le pasteur, l'onction doit atteindre l'assemblée. Donc quand un mari est béni dans un foyer, l'atmosphère de la maison change. L'aspect de sa femme change. L'aspect de ses enfants change. Parce que la bénédiction descend dans son esprit, dans ses parents, dans leur assiette. C'est qu'il mange là. Il sent des nourritures. C'est pourquoi il dit que tu seras béni en sortant. Tu seras béni en entrant. Il dit quoi? Ta cruche. Et ton grenier sera béni dans ton assiette. Tout ce que tu me seras béni.
c'est quoi le Christ? C'est pas le Christ qu'on est venu faire. Mais si on a l'occasion de se donner un peu de plaisir, il faut le faire. Vous voyez? Et quand tu le fais, tu peux dire aux autres, ceux qui ont les moyens. C'est pourquoi la Bible dit que celui qui ne travaille pas, ne mange pas. Dieu incite à nous battre. Il veut qu'on se batte, on fait des affaires, on le décide. Parce que demain, quand on va dire qu'on est parti à partir avec le frère, tu seras le même aigri. Tu vas dire non, il a prié les gens là. Mais est-ce qu'on prie les gens pour voyager? Tu vas dire, il est bien. Il rend que celui qui veut partir, il pourra partir. Les blancs qui font du tourisme, c'est pas là, c'est dans le bras et Dieu. Ils croient en Dieu. Tous les sorciers qui font du tourisme, là, c'est croyant Dieu. Moi, je veux dire que c'est pour se donner quand même, comme on l'appelle, de la joie. Parce que nous sommes des êtres vivants, il faut aussi se donner quand même de la joie. Amen. Donc, je dis merci vraiment à toutes les tous les frères, toutes les soeurs qui ont prié, qui ont soutenu, qui ont manifesté leur amour. Vraiment, ça m'a fait du bien. Et je sais vraiment que c'est vrai que tout le monde ne peut pas aimer un homme, mais à 100%, au moins il y a 90% qui m'aiment. Les 10% là ne m'intéressent pas. Qui est dans les 10%?